Quand un pays adhère à l'Union européenne, il a vocation à participer à toutes les politiques communes, notamment à l'euro et à l'espace Schengen, une fois ses systèmes économiques ou de contrôle des frontières aux normes. Quelques pays ont toutefois réussi à inscrire dans les traités de pouvoir échapper à certaines politiques européennes. Le Royaume-Uni est le pays qui bénéficie du plus de dérogations, mais il n'est pas le seul concerné. Comme l'Irlande, également insulaire, il n'est pas dans Schengen. Comme le Danemark, il n'est pas dans l'euro et n'est pas non plus tenu de participer à toutes les politiques relevant de la justice et des affaires intérieures. Comme la Pologne et la République tchèque, il n'est pas lié par la Charte des droits fondamentaux. La Suède bénéficie, elle, d'une dérogation moins officielle, pas gravée dans les traités mais acceptée de facto par tous. Elle pourra rester hors de l'euro tant que sa population par référendum n'en aura pas décidé autrement. A l'inverse, des pays hors UE participent à Schengen, la Suisse, le Liechtenstein et la Norvège. En tant que membre de l'Association européenne de libre-échange, la Norvège, le Liechtenstein, également l'Islande mais pas la Suisse, sont aussi membres de l'espace économique européen avec les 28 pays de l'Union européenne. Le EE est une vaste zone de libre-échange où est garantie la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, comme dans le marché unique de l'UE.